Le déplacement de la délégation à Kiev nous aura permis de réaffirmer le soutien de la France à l'Ukraine. Il nous aura également permis d'entendre les demandes extrêmement précises formulées par nos interlocuteurs et sur lesquelles nous allons travailler de retour à Paris. D'abord, la question de l'armement. Kiev est reconnaissante du soutien apporté, et notamment celui de la France. Mais si les livraisons sont suffisantes pour résister, elles sont insuffisantes pour gagner, et nous devons travailler à les renforcer. Sur le volet justice, la mise en œuvre d'un tribunal international pour juger les crimes de guerre, les viols et la déportation des enfants doit être une priorité. La question de la reconstruction est également centrale et le gouvernement ukrainien y travaille d'ores et déjà. Hôpitaux, écoles, tous ces projets sont menés en collaboration avec le soutien humanitaire des alliés et notamment de la France. Et puis la première dame, Olena Zelenska, nous a fait passer deux messages spécifiques. Le premier, c'est une demande de soutien quant à la prise en charge des personnes souffrant de stress post-traumatique. Le second, c'est le soutien sur la prise en charge des violences sexuelles et tortures auxquelles de trop nombreuses femmes et enfants ont été confrontées. Sur tous ces sujets, nous allons continuer à travailler en lien étroit avec nos partenaires de la Rada. Nous avons beaucoup de choses à apprendre les uns des autres et c'est également la manière dont nous pourrons les aider et les soutenir, et ce, jusqu'à la victoire.